Par contre, dans les jeux, genre Dragon Quest 9, je sais. Oh, c'est stylé. Ouais, je crois que j'ai trouvé ma miniature. C'est stylé. Par contre, dans les jeux, je sais que... Alors, normalement, c'est en trois parties. Il a ses mains et la tête. Les mains... Dans Dragon Quest 9, je sais qu'elles ont résurrection. Donc, à mon avis, il faut défoncer les mains avant. On va... C'est ce qu'on va faire. On va défoncer les mains. Les mains font pas trop de dégâts physiques, je pense, mais par contre, elles ont des sorts, résurrection, genre, ils peuvent soigner et tout, donc... On va aller défoncer... Fissa, hein. Pas la tête. Ouais, alors, par contre, là, le fait de dodo, c'est un peu chiant. Faut que je... Une petite fiole. Ouais, ça fait mal, par contre, ça fait mal. Ok. What? 10 PM? Sérieusement? Oui, alors là, c'est un peu chiant. Le truc qui... Les tromperies du démon suprême. Je pense pas que ça marche. Ouais, je suis un peu embêté là parce que j'ai pas beaucoup de PM. Enfin, une partie des PM. Ouais, ça m'a rien rendu. Bon. Bah, refais tension, mon gars. Aïe. Ouais, j'aurais peut-être dû faire Mega Protect. Ah bah, elle le fait, voilà, c'est bien. Peut-être faire une barrière magique, ou même isolation. Non mais 12 PM, je fais quoi avec ça, moi? Bon, les mains, elles prennent un petit peu. Bon, le perturbant qui est un peu relou, par contre, c'est vrai. Ok, bon, on va y aller comme ça. Ah, absorption de magie. Absorption... D'un sort qui vous est destiné. Ah, je peux tester, hein, mais bon. Je peux faire ça sur les mains. Ça serait gentil. Mais Ok. Aïe J'ai plus de PM. Que faire? Je peux toujours faire. Alors soit il y a ça, 25 PM. Il y a ça. Et c'est combien le foudre ciblée? On va faire foudre ciblée, écoutez. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, elle est toujours en vie la main. Ouch. Ouch. bien. Merci. Ok, ça va être compliqué.
ça va être compliqué, je pense. Mais y a moyen. En vrai, il y a moyen. Mais c'est juste que ça va être un petit peu galère. C'est juste que j'ai plus de PM, en fait. Après, au pire, je peux toujours y aller avec de l'attaque. Hein. C'est pas le souci. Je pense que, évidemment, je vais y aller avec de l'attaque. Merci pour les soins. Merci. Une main en moins. Ok, en tout cas ça sert à rien. On va attaquer là. Bah mon petit gars, tu vas faire ça sur ça. Francis qui s'endort, par contre, ça c'est pas trop cool. Bon, Bazoul qui aide bien quand même. Hein. J'ai bien fait de faire une invocation. Hop. Résurrection. C'est la main gauche qui a résurrection. Ou alors c'est les deux, je sais pas. Ok. Résurrection, c'est chiant parce que je crois que ça remet tout à fond. Non? Si j'ai pas de conneries. Feuille d'Yggdrasil. Le problème, c'est qu'il a Perturbant aussi. Et ça, c'est très chiant, Perturbant. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ouais mais ça fait mal. Merci pour les soins hein, mais... Aou. La la la. Ah ouais non mais... faut quelqu'un qui soit en vie. Bon. Voilà. Alors, vous allez suivre mes ordres, hein, les amis. Vous allez suivre les ordres. Tu vas faire super foudre. Quoique non. Tu vas attaquer. Tu vas attaquer. Tu... Tu vas, t'as pas méga protect toi. Y'a pas méga protect. Ouais. Faire méga altération. Voilà, limite. Tu vas feuille Drasil sur Olivier. Ils vont tanker. Équipe, changez tous. Tac, tac, Olivier. Émilie, Amos. Tu vas attaquer là. Et tu vas feuille d'Yggdrasil, Émilie.
Bordel de zut. Bordel de zut, de vrai zut. Bon. Je suis obligé d'utiliser le petit rosé, mais je sens que ça va pas fonctionner. Faut vraiment que tu fasses une feuille d'Yggdrasil sur Emily. Ouais, mais non, mais là, franchement, c'est trop. Merci. Je peux pas faire résurrection. C'est ça le problème. Emily. Ah, c'est un peu chiant là. Merde. Avec Luvin, ouais, j'ai pas changé sa tactique. Bon, ok, on a tué une main. On a tué une main, on a retué une main, je veux dire. Ah. Tactique. Suivre les ordres. Tu vas défendre toi en fait. Tu vas faire une feuille d'Yggdrasil sur Olivier. Merci. Ça fait mal. Ensuite, tu vas défendre. Toi, t'es vraiment mal en point, hein, mon petit gars. Tu as feuille d'Yggdrasil sur Emily. Dis que t'as du soin, toi. Il a défense ultime, lui. Il a pas mal de choses, hein. C'est vrai. Éblouissement. Est-ce que t'as du soin, mon gars? Avec l'aide d'une armée de mercenaires à risque et péril. Ah. On va pas faire ça. T'as que... Ouais, t'as que premier secours. C'est pas grave. Je vais faire premier secours. Merci. La 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 la. Alors, tactique. Non, affaire équipe. Quoique. Non, je vais attaquer. Là. Ouais, tu vas défendre. Toi, tu vas méga protect les gens. Oh. Pas Emily. Le sommeil qui est bien relou. Olivier, il est un peu mal en point, le pauvre. Je peux pas le soigner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de changer? Là, Olivier, Émilie, Francis. Mais s'il sacrifie aussi le porc. Faut pas qu'il se sacrifie. Et lui, je peux pas le soigner, hein. C'est ça le problème. Ouais, mais ça fait vraiment trop mal. Bon, on a retrouvé Francis. Le problème, c'est qu'elle dort. Emily qui dort, c'est ultra chiant. Bon. Ah mais j'ai pas de feuille d'asile, c'est pas grave. T'es en quoi toi? Bon. On peut tenter
J'attaque, hein, la main. Il faut vraiment se débarrasser de la main. Ouais, mais fais pas rappel. C'est horrible. Débarrassez-nous de cette main. Mais fais pas rappel, Francis, tu fais quoi? Ah, coup critique. Elle meurt pas, hein. Ah là là. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment horrible. Ouais, mais avoir les trois, là, c'est horrible. Non, mais je peux rien faire. Les deux rappellent et... Non, bah non. Il reste que Gluvin. Non. Je voulais faire quoi avec ça? Feuille d'Yggdrasil sur... sur Olivier, parce qu'il peut tanker. Voilà. Ouais, mais ça fait tellement mal, ce truc-là. Feuille d'Yggdrasil sur Francis. Je peux attaquer la main droite. Meurs, saloperie de main. Mais t'as combien? Oh merde. Mais elle a combien? C'est abusé le nombre de trucs. Merci, le truc a pas fonctionné. Super. Le sommeil, c'est le truc le... C'est le pire truc, hein. C'est le pire truc. Le truc, c'est que je peux pas soigner, là. J'ai plus de PM. Les PM manquent. Ouais, je peux pas faire ça non plus. Bah je peux pas le faire non plus. Super. Non mais je peux qu'attaquer. Et là je peux rien faire non plus. Parce que l'autre il dort. Bon, tu meurs quand la main là? Ouais mais... Ok. Bon. Ok. Ah, il fait trop mal. Il fait trop mal. Il fait... Enfin, c'est pas qu'il fait trop mal, c'est qu'il est... Il a trop de... Il soigne et il fait résurrection, c'est chiant. C'est compliqué à gérer. J'aurais dû partir déjà de base avec Emily, je pense. Et le problème, c'est que là, du coup, je sais même plus... Oh putain, mais ils sont tous morts en plus. Est-ce que je retente? Je peux retenter, effectivement. C'est pas ça que je veux faire. Je vais devoir tout me retaper. Le truc pas fun. Il me reste combien de feuilles?
Normalement, j'ai pas mal de feuilles d'Yggdrasil. Ouais, j'en ai que 13. On va les donner, hein. On va tout lui donner. Voilà. Nickel. Je peux retenter, effectivement. Ouais. Dites que je vais pas devoir tout me retaper parce que là. J'ai peur que je vais devoir tout me retaper. Hein. Tout le château. Ah, c'est affreux si je dois tout refaire. Ah, putain, je dois tout refaire. Oui. Ok. On passe à la troisième phase. Bien. Bon, Emily est un peu pété. Oh là là. Mais pourquoi je peux pas faire foudre ciblée? C'est avec Laura, c'est ça? C'est avec Laura? Je sais pas pourquoi je peux pas faire foudre ciblée. Francis, t'as plus de PM. Francis, t'as plus de PM. Merde, Francis, t'as plus de PM. Ah bah super. C'est ça que je me disais, il y avait un problème. Ah, fait chier. Méga Protec. Attention. Bon, il y a toujours le bâton de Paradisia, quoi, mais bon, c'est pas foufou. Comment faire pour... On va faire ça, hein. Écoutez. Quoique non. C'est la gauche d'abord. Tellement mal. Pff, 14 PM, c'est n'importe quoi. Parce que je crois que je les ai pas soignés avant de repartir, c'est pour ça. Quel con, j'aurais dû les soigner. Et Olivier qui est mort, bravo. Bravo Olivier. Quelle idée. Quelle idée de mourir. Alors je vais remettre en tactique soin avant tout, ouais. Je vais le ressusciter. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire un arrosage d'éclair. Faut que j'attaque vraiment la main. La main gauche. Merci pour les soins. Aïe. Peut refaire ça et à la limite ça. Faut que la main elle décède. Décède la main s'il te plaît. On va faire ce...
Tu vas faire un petit décuplo sur toi-même en fait. Bon, la main qui veut toujours pas mourir. Aïe. Elle va être soignée, j'imagine, j'espère. Toujours pas en... Aïe. Bon. Orage d'éclair. Toujours. Bon, j'ai des micro-accélérations, hein. Une main en moins. Celle qui a résurrection. L'autre à la crapelle. Tu vas attaquer là. Et tout à l'heure, c'était bien... Invocation. Bon, la petite danse des soins qui fait plaisir quand même. Pourquoi ça n'a pas marché, invocation? Ah, je crois que c'est utiliser PM de tout le monde et on n'a pas cette PM. Je crois que c'est ça. Bon, ben on va y aller comme ça, hein, écoutez. Bon, coup d'armée, ça fait pas tant de dégâts que ça. On va faire coup de pied sauter. Enfin, coup de genou sauter, hein. Le Mbouma est compris. Je te déteste. Mais il peut pas attaquer tout le monde, lui. Il n'y a pas un truc pour attaquer tout le monde. Ah si. Allez, balance des cailloux là. Ah, c'est bien, ça fait 10 dégâts ça. Ah, putain, mais multi-soin. On y va comme ça, hein. En fait, il fallait péter les limites en même temps. Il est en train de se remettre full. Il est en train de se remettre full. Fait chier. Changer tous. Mettre l'aura vite fait. Tactique. L'aura, tu vas suivre les ordres. Tu vas attaquer là. Voilà. Et toi, en vrai, c'est limite, j'ai envie de faire explosion magique. Mais après, elle aurait plus rien. Tiens, fais méga protect quand même. Voilà, merci. Hop.
pas un truc pour me rendre des PM, toi, je parie, non? Bon. Vague géante qui baisse tous les ennemis. Je peux tester. Je crois que ça a pas fonctionné. La main est morte, tant mieux. Allez, elle. La la la. Non. Là. Combat de mort. Si je perds, je vais reload avant, je pense, mais je me barrerai et je ferai. Enfin, je sais pas si je peux partir. Non, je crois pas. Ah. Bon, bah, si je perds, je perds. Hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Sur Olivier. Fait trop trop mal. Je veux des PM, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire? En plus, ça marche pas, foudre ciblée. Bah ouais. Bon. À toi, du coup. Pas le choix. J'ai envie de faire explosion magique, en vrai. Par méga protection quand même. Merci pour le multi-soin. Attaque, là et là, rock'n'roll. Et là, je peux faire... Allez, giga glace. Arrête avec multi-soin, c'est chiant. Rock'n'roll. De toute façon, je suis obligé d'attaquer tout le monde, en fait. Faut juste qu'elle meure, la truc. C'est pas compliqué. Faut que toi tu meurs. Merde. Bon ben... Laura. C'est bon. Logiquement on a gagné. Logiquement on a gagné. Il peut plus ressusciter. On va reprendre la mini. Francis. Allez, espèce d'enfoiré. Je vais te savater la tronche. Tension. Bon, il peut toujours faire très mal, hein, mais bon. Attendez. Le petit chat, toujours. Qui décidément, il perd patience, lui aussi. Allez, hop. Bon, alors j'aurais beaucoup accéléré sur ces phases, hein. Excusez-moi, hein, mais bon, de toute façon, on a vu la première fois, vous n'avez pas accéléré, et du coup, on a vu le combat, hein, maintenant. Attends, je vais arrêter d'accélérer, mais bon, je suis à 1h29 de vidéo, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Bon, attaque, et retention. Allez, tu
Mais tu vas faire attaque. Tu vas faire que ça de toute façon. Allez. Ah, il fait mal. Il fait mal à l'enfoiré. On lui fait vraiment zéro. Dommage que je peux pas faire truc. Hein. Comment ça se fait que je peux pas... C'est ça que je comprends pas. Je peux pas faire super foudre. Je peux faire quoi? Je peux faire foudre. Waouh. Waouh. Non, bon, on va l'attaquer, hein. Écoutez. En vrai, vous savez quoi? J'ai envie de tester un truc. Je vais faire attaquer. Je vais faire. Je peux tenter ça, hein, mais bon, ça va pas fonctionner. Et je vais faire explosion magique. Ouais, c'est bien. Ça marche jamais. C'est stylé. Et ben voilà. Il meurt pas. Quel con. Allez, attention. Je vais même pas faire ça. Je pense pas que ça va fonctionner. Hein. Voilà. Bon, à mon avis, je pense qu'il est pas loin de la mort. Hein. Parce que du coup, c'est un petit peu long. Ça va être très très long. Coup de genou sauté. Ouais. Bah, toi, attaque. Peut-être changer. Hein, Allez, on va mettre Tommy. Oh, on a compris. Je vais changer sa tactique à lui, je vais mettre en... Ouais, allez, hein, sans pitcher. Aïe. Ah, attendez, parce que là, faut pas que je fasse le con, faut pas que je me rende bêtement, en fait. Tu vas sur les ordres et tu vas sur les ordres, ok. Dicta un truc pour soigner. Dicta un truc pour soigner. Il a rien pour soigner. Il a rien pour soigner. Il a rien pour soigner. Zut. Zut, zut, zut. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Bah non, en fait, tu vas faire ça. Merci.
Tommy meurt, je sais. C'est triste. Équipe. Changez tous. Maintenant, on va mettre. Et on va mettre. Ramos. Et on va mettre. Voilà. Ensuite, on va refaire. Ça. Et tu vas utiliser une feuille pour animer Francis. Merci. Maintenant, tu vas. On va faire ça. Et toi, tu vas. Transformer en monstre. Je peux tester, hein. Oh bah, il meurt. Bravo. Ah, bravo, Filito, de te réveiller que maintenant. Alors maintenant, on va rechanger. Décidément. Décidément, j'ai l'impression de faire que ça. Hop, on va remettre là, comme ça. C'est quand qu'il meurt? Il meurt, purée. Alors, on fait pas de gros dégâts, mais en même temps, je peux pas faire plus, hein. Mais heureusement, j'ai plus de PM, j'ai plus rien. En vrai, au début, c'était... Je pensais que ça aurait été, mais en fait, non. Bon, tu vas faire attention. Et il a toujours des... lui, il a toujours des PM, hein. On peut toujours... Je peux toujours faire... le truc, là. C'est où? Absorption de magie, mais bon. Allez. PM, mais c'est naze. Mais ça peut peut-être me permettre de faire un truc, mais on a réussi à battre. Bon bah on l'a battu. C'était chiant, mais on l'a battu. Du coup peut-être que, bon si, peut-être que je vous ferai une coupure et vous aurez deux vidéos. Ouais. Ouais. Comment la vermine n'a pu vaincre le puissant Mortamor? Ma vue se trouble, ma conscience décline, mon univers s'effondre. Filito, vous m'entendez? C'est moi, Pascal. Vous devez faire vite, fuyez, j'ignore comment, mais ce monde commence à s'écrouler. Comment est-ce possible? Vous avez vaincu Mortamor, ça expliquerait tout. Très bien, nous allons sauver tous ceux qui étaient emprisonnés dans le royaume cauchemardesque de Mortamor. Nous allons avoir du travail. Je suis certain que vous débrouillerez très bien sans notre aide. Allons-y, Blaze. Oui, mon frère. Ok. Ok. Là, très bien. Ah, du coup, il y aura le générique de fin et tout. Bon, je pense que je vais le skipper un peu, le générique de fin. Je vais pas vous mentir, mais je pense que je vais le skipper. Hein. J'en suis quand même à 1h38 de vidéo. Donc, bon, vous aurez que deux épisodes, hein, mais à 1h38 de vidéo. Bon, je pense qu'avec plus de niveaux, ça aurait été. J'étais un petit peu faible. Mais bon. Au moins, c'est passé quand même. Félicitations, grâce à votre courage. Grâce à votre courage, les jours passés à craindre Mortamor sont enfin terminés. Le royaume cauchemardesque n'est plus. Les deux hommes devant moi ont fait disparaître les habitants de cet endroit maudit. Ok. Votre œuvre portera. Et restera la paix dans notre monde, une paix véritable et sincère. Ah, c'est cool, hein. Franchement, une paix véritable et sincère, c'est une vraie paix, hein. C'est cool. C'est grâce à vous que cela est possible. Nous sommes très fiers de vous. Sans votre courage et votre bravoure, le monde réel et le royaume des rêves auraient fini dans les griffes de Mortamor. En tant que roi des rêves qui donne vie à tous les êtres humains, je vous félicite.
Plutôt, veuillez accepter mes remerciements les plus sincères. Et toute ma gratitude, vous et vos compagnons. Hélas, j'ai bien peur que l'heure soit bientôt venue de vous dire adieu. Ce royaume des rêves n'est pas destiné à ceux du monde inférieur. Le seul moyen pour Montavant de conquérir ce royaume était de le faire surgir dans le monde réel, mais son pouvoir vacille. Nous disparaîtrons bientôt de la vue des habitants du monde réel. Mais ne soyez pas tristes, telles sont les lois de ce monde, comme elles l'ont toujours été et le demeureront toujours. Partez maintenant, héros. Retournez voir ceux qui attendent tant votre retour. Bon, on y va. N'aime pas trop ce genre d'endroit. Entendre dans le chariot. Ok, Tommy. Bah, c'est Tommy. Hein. Et attends, pourquoi courir? Ah, ce garçon, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. Allez, Filito, je crois que je ferais mieux de retourner dans le chariot aussi. T'inquiète pas pour nous, d'accord? Ouais. Adieu, Seigneur Zenith. Adieu. Et bon, on a compris. Bon, bah, salut. Castros. Bye, vous. Oui. Du coup, si on a fini, hein, tant mieux. Oui, alors. Ici. C'est pas moi qui contrôle, hein. Ok, donc c'était Asomnia. Ah, c'est vous, Filito et Olivier. Allez-y, heureux, attends. Il aurait juste pu faire téléportation, mais bon. Allons voir le roi. Je pense qu'il va nous dire. Quoi ? Oui, c'est là. Yo, il est où le roi ? Ah, Filito et Olivier, ravi de vous revoir en un seul morceau. Les grands penseurs Blaise et Pascal ont eu, la gentillesse de me ramener jusqu'à ce château. Et je crois que personne ne mérite plus ma gratitude que vous deux. Merci, soldat. Je regrette de vous dire que le roi Somnus n'est pas là pour l'instant. Cependant, il vous a laissé un message. Je vais vous le lire. Beau travail, Filito Olivier. Je suis également très heureux de voir quoi se faire en vie. Je vous attends en bas. Venez me voir lorsque vous le pourrez. Roi Somnus. En bas? Comment ça en bas? Comment ça en bas? En bas, dans la cour? De retour par la déesse, personne ne mérite. Comment ça en bas? En bas, en bas où? Ah non, pas là. Bah, il est où ce con? Ah! Peut-être en bas, oui, d'accord. Ok, il fallait partir. Ah, quoique. Non, ça tombe, il fallait peut-être pas partir en fait. Quel con. Et il a dit en bas. Ah, ou alors peut-être le royaume. Pas des rêves, mais réel. Avec le puits. Peut-être, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Attendez, je vais regarder vite fait parce que ça me perturbe un petit peu cette histoire. Bon bah je sais pas, à mon avis ça devait être en bas, le monde réel. Vous êtes devenue tellement puissante, assez puissante même pour mériter le titre de sorcière. Sûr que l'aïeul aurait été d'accord, c'est certain. Madame Sorène, je ne suis pas sûr de pouvoir encore incarner l'aïeul dans le cœur et l'esprit des habitants. C'est-à-dire que c'est moi qui vais être l'aïeul? Mais non, très cher, vous êtes encore très jeune. Ouais. Bon, d'aller écouter les conseils du Seigneur Zenith. Qui sait quelle magie se cache dans ces archives? Je peux réfléchir encore un peu, je dois prendre ma meilleure décision. Bien sûr, Laura. J'ai l'impression que vous êtes pas encore assez. Vous n'êtes pas encore assez bien me connaître. Bon, Filito. Allons-y, on doit accompagner tout le monde. Ouais. Oui. Bon, alors. Bon, j'accélère toujours, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un peu long. Ah, c'est un peu long, c'est surtout que là, je suis à 1h44, le truc il va faire 2h. Filito, quand on parle du loup, on parlait justement de toi. Bah la musique est ok, je m'attendais pas à ça.
Ça n'a fait du tout, je t'attendais. Tu as réussi, hein, tu as vraiment... Oui. Pas besoin de le dire, tes actes parlent d'eux-mêmes. Les monstres ont disparu tous. Ah, tu as sans aucun doute fait beaucoup de mal au monde des monstres. Enfin, on a discuté, on a décidé d'organiser une petite fête en ton honneur. Tu le mérites, Vito. Écoutez tous, c'est moi qui paie la tournée. On va associer à toi, jeune homme, et à ton équipe. Merci. Merci, bah écoutez, c'est très gentil. Ok, je suppose que là, je dois... Pas quitter le vient. Ah bah oui, Mélodie. Mélodie, j'ai failli oublier. Yo. T'es rentré, la déesse Soloé. J'avais tellement peur de ne jamais plus trouver mon frère. S'il te plaît, Filito. On me promet de ne pas m'oublier, d'accord? Oh, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je crois que je sais la vérité, Filito. Ce n'est pas tout à fait clair, mais je crois comprendre comment ça marche. Filito, écoute, je suis un peu fatigué. Alors... Se dire au revoir, Filito. On se reverra, je le sais. Au revoir, Filito, mon frère adoré. Ah oui, on l'a vu. On l'a vu plus trop. Ok. Ah oui, du coup, ils sont tous... ouais. Ouais. Ok, du coup, on retourne dans le monde réel, ça. Madame Luce, je suis de retour. J'amène Tommy avec moi. Ah, Emily, Madame Luce est folle de joie de te voir. Quant à ce petit agneau, je suis content de te retrouver enfin, Tommy. La vieille Luce Lumina t'observe comme un aigle depuis fort longtemps. La fête de Mortamort a été un véritable choc. Même Madame Luce ne l'avait pas prédite. Les rêves sont des choses merveilleuses. Hein. Ils leur donnent de l'espoir. Et l'espoir donne la force de vivre. Mais parfois, les rêves peuvent rendre avides. Cette créature, elle a été détruite par ses rêves et son habileté. Mais les petits agneaux et Madame Luce se sont battus avec courage. Vous avez sauvé les deux mondes. Le cristal de Madame Luce est vide pour la première fois depuis des années. Une période de paix nous attend. Madame Luce. Oui, ma petite Emily. J'aimerais devenir votre apprenti. Je veux utiliser mes pouvoirs de liseuse de rêves pour aider les autres. Ah, t'as pris ton temps pour te demander. Hein. Madame Luce a toujours l'intention de te prendre sous son aile. Inutile de remercier Madame Luce. Allez, préparons-nous un petit repas. Ok. Et du coup? Bah du coup, il... Ok, il part pour la suite. Alors, où est-ce qu'il va aller? Ah bah oui. Peut-être Francis, non? Ah non, Olivier. Pourquoi tu ne ferais pas une petite pause? Non. C'est la tête de mule de fils, c'est parti sauver le monde, je peux pas rester à tourner les pouces. Chérie? Hein? Salut, je suis de retour. Chérie, c'est Olivier. Regarde, Olivier est rentré. Waouh, je vois ça. Non, papa, désolé de vous avoir causé du souci. T'as pas vraiment l'air désolé. T'as l'air d'un gars qui est content d'avoir terminé son boulot. Un gros boulot, je dirais. Si t'es vraiment devenu un homme capable de finir un boulot, eh ben, j'aurais bien besoin de toi au magasin. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Eh ben, voilà, Filito, il est temps pour moi de devenir un homme et de rejoindre l'entreprise familiale pour devenir charpentier comme mon père. On s'est bien marré, mais il est temps de se dire adieu. Hein. Oh là, pourquoi vous faites cette tête? Je vais pas mourir. On rentre chez nous, c'est tout. Bien sûr, tu as raison. Nous pouvons nous retrouver quand nous le voudrons. Et bien sûr, fais gaffe à toi, Filito, toi aussi, Emily. Ok. Bah, allons-y. Alors, où est-ce qu'il va? Francis, l'élu est de retour. Si on avait su que vous arriviez, on aurait pu venir à votre rencontre. Mon grand-père est à l'intérieur. Non, la Providence est soudain revenue et l'aïeul. Je vois, il doit être au sanctuaire. Accélérons un petit coup encore et toujours.
Grand-père, je suis de retour. Francis, tu es revenu, comme tu as grandi, tu as tellement changé. Grand-père, que s'est-il passé avec la Providence? Une chose étrange s'est produite, elle est revenue toute seule, comme si elle avait su que sa maison était terminée. Mais laisse-moi te féliciter pour tes efforts exceptionnels. Je suis certain que la déesse te sourit. Plutôt, je souhaite rester à Paradisia et utiliser mes pouvoirs pour soigner les malades. Je vais être le premier à savoir. Ok. Bon, ben, d'accord, j'ai compris. Je me casse. Tout seul. Oui. Bon, accompagne tout le monde. Mais faites téléportation en fait. C'est tellement plus rapide. Emily Tomini, c'est vraiment vous? Oui, papa. Tu appelles encore papa, le minable qui t'a vendu? Bien sûr, nous étions des orphelins sans foyer quand vous nous avez adoptés. C'est grâce à vous que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Oh, que la déesse te bénisse, Emily. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai décidé de devenir liseuse de rêve. Je serai l'apprenti d'une femme appelée Luce Luminia. Je suis déjà content de savoir que vous allez bien tous les deux. Et le fait que vous soyez venu jusqu'ici pour me voir me remplit de joie. Allez donc vivre votre vie comme vous l'entendez. Ne vous inquiétez pas pour nous. Merci papa, merci maman. Ça t'ennuie pas si nos routes se séparent ici, Filito? On en discutait tous les quatre. Bon bah ok. Allez. Petite accélération. Jusque. Bonne question. Ah, le pétisseur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Ah bah ils sont tous morts. Allô? Où êtes-vous? T'es ici? Non. Ah si. Ah Filito, mon ami, tu es de retour. Mais j'imagine que je peux plus t'appeler Filito maintenant, hein? Après tout, votre majesté, vous êtes le prince Filito de Somnia. Et le sauveur de ce monde pour couronner le tout. À ce propos, avez-vous l'occasion de retourner au château? Non. Organisez une grande fête magnifique là-bas, vous voyez? Je t'ai invité aussi, mais... t'as zoté. Ok, c'est pour cela que je suis seul ici à monter la garde. Ok, donc du coup, j'imagine que je vais aller à Somnia. Oui. Allez. J'aurais pu faire des ellipses, hein, parce qu'à chaque fois, mettre le truc, en vrai, c'est un peu relou. Filito, c'est merveilleux de t'avoir à nouveau parmi nous, mon garçon. Alors, le démon suprême a enfin été vaincu, et cela grâce à tes efforts et à ceux de ton équipe. Ah, la paix. Le ciel est si bleu, l'air est si pur. J'ai attendu ce moment si longtemps. Quand je pense que nous devons tout cela à mon fils, je suis le père le plus fier du monde. Filito, tu as traversé tellement d'épreuves, mon fils, mais ton aventure est enfin terminée. Tu vas enfin pouvoir profiter de ta vie en tant que prince de ce royaume. En parlant de profiter de ta vie, mon garçon, qui est cette jolie fille qui t'accompagne? C'est Laura. Quoi? Vous parlez de moi, votre majesté? Hé, hey, félicitations, Filito, tu es bien le fils de ton père. C'est temps que tu nous ramènes une jolie petite jeune fille. Bon. Somnus, mon chéri. Ah oui, j'allais oublier, mais il faut nous préparer pour la fête. J'ai invité tous les amis au banquet, Filito. Nous allons passer une soirée fantastique. J'espère que tout le monde est prêt à faire la fête. Ouais, hurra! Ok. Bon, bah ils font la fête. Je dois faire quoi, moi? Ah, pourquoi tu ne danses pas? Je sais pas pourquoi je danse pas. Je vais faire quoi? Allô? Que dois-je faire? Non. En avant, ouais. Bon.
Ben, je ne sais point. Non, pas là non plus. Mais il me fout du gameplay maintenant, décidément. Décidément, Je suppose que je dois parler un peu à tout le monde alors, non? Bah non. Bah même pas. Je passe à travers tout le monde. Ah, je peux... Mon frère, oh, je dois peut-être t'appeler Prince plutôt maintenant. Non. Oh d'accord, alors je continuerai de t'appeler Flito comme une sœur. Mon frère Flito est vraiment le meilleur. Je sais. Toi, tu me dis un truc? Non, je te réserve, passez me voir. Ok. Il dit quoi, lui? C'est un prince. Je peux pas la quitter des yeux. Mais je peux me barrer. Mais je dois faire quoi? Amos, il est là, ouais. Tête de monstre, moi. À mon avis, elle doit être tout en haut. Ah, elle est là. Ah oui, elle disparaît. Oh, salut, Filido. Je suis désolé, mais on dirait que je n'ai plus beaucoup de temps ici. Je sais pas comme vous, je n'ai plus vraiment de corps dans ce monde. Ah bah non. Il est temps de se dire adieu, Filito. Oh bah non. Et au revoir à tout le monde de ma part. Oh bah non. Dis-leur que je n'oublierai jamais les moments qu'on a passés ensemble. Oh bah non. Bah voilà. Donc on se retrouve tout seul. Zenithia qui s'envole, d'accord, ouais. Ah bah voilà, nous avons fini le jeu. Bah voilà, bon, la musique est cool. Je vais accélérer le générique parce que il va être long, il va être très long. Mais je vais l'accélérer, parce que bon, le générique s'en fout un peu, hein. Personnellement, je m'en fous un petit peu. Oui, on voit les petites scènes, d'accord, ils sont... Il est prêtre, ok. Ah oui, mais ils vont nous faire tout le monde, là. Bon, du coup, ouais, je vais accélérer. Le jeu était cool, j'ai bien kiffé l'histoire, j'ai vraiment adoré l'histoire. Bon, il y a juste les combats, hein. Ça reste toujours chiant, les combats aléatoires, hein. Les combats aléatoires qui me sortent par les trous de nez, hein. C'est horrible. Ces combats qui pop tout le temps, pas de répit. Mais non, l'histoire a vraiment été cool, j'ai vraiment kiffé faire une quest 6. Et puis on va faire le post-game, hein, évidemment. Donc là, bon, j'aimerais juste quand même arrêter l'enregistrement parce que je suis à 1h59, c'est un peu long. Mais voilà, donc Emily, ouais, d'accord, qui est devenue une dièse de bonne aventure, ok. Ok, Tommy, lui, qui continue de partir un peu à l'aventure. Ouais, il est quand même stylé, hein, ce Tommy. Et en plus, il se trouve des trucs. On ne sait même pas ce qu'il a trouvé. Bah, bravo. Ok, bien, bah écoutez, je pense qu'on a vu un peu plus ou moins tout le monde. Ouais, la musique elle est cool. La musique elle est cool, c'est vrai. Mais je vais l'accélérer. Non, mais bon, c'est vrai que le générique c'est tellement long. Voilà, j'ai plus ou moins rien à dire parce que au final j'ai toujours dit
Bah, j'ai tout dit dans l'épisode. Ah, même à chaque fois, à chaque épisode, je le disais aussi, hein, que l'histoire est cool. Franchement, c'est vraiment l'histoire que j'ai préférée, peut-être. Le 5 est bien, mais le 6, je sais pas. Après, moi, c'est question de goût, hein, mais... Ouais, c'est vrai que le délire avec les rêves et tout, j'aime bien. Donc ouais, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Bon, on va pas faire le set tout de suite, hein. On va d'abord faire le post-game, et puis le set, ça sera pas tout de suite, pas tout de suite. Il y a deux autres let's play à finir, hein, je vous rappelle. DQMJ 3 Pro. Enfin, à continuer plutôt, parce qu'on n'est pas encore loin. Et Terry's Wonderland 3D. Oh non, j'imagine qu'il y a encore du dialogue. Tu as eu un grand effort à nos yeux, tu n'es encore qu'un enfant. Ok. Tu as pensé à ton avenir, ce foin de ce royaume? Non. Ouais, si je dis oui. Merveilleux. Ok. Mais du coup, je peux... Ah! Tout est prêt. Alors, je vais commencer. What the fuck? Pourquoi je suis téléporté avec eux? Ok, bon, on est téléporté avec eux... À mon avis, il n'y a pas Laura. Hein. À mon avis, ils vont peut-être essayer de faire ramener Laura, je pense. Comment c'est quoi? C'est quoi l'idée de nous rassembler tous ici? Chut, silence. Ok. Bon, le son est bugué en plus. Ok, je vais... je vais accélérer le truc. Ok, donc il y a Laura qui est là-bas. Nice. Waouh, ça y est, enfin. Il est en train d'éclore. Notre avenir est enfin là. Nouvelle ère est sur le point de commencer. Je veux bien voir à quoi il ressemble parce que là je vois rien par des flashs. Bah il nous montre même pas. Bon bah fin. Fin. Mais il nous montre pas. Bon bah tant pis. Oui, je vais enregistrer ma progression dans un journal. Lui. Voilà. Le troisième. Comment je... Ah, je suis obligé. Alors, je... Attendez, parce que je suis obligé de faire quand même, parce que... Non, pas ça. Open ROM. Je peux... Alors, je suis obligé de... Voilà. De relancer le jeu. Continuer. Ici. Au moins, juste pour avoir un truc de sauvegarde. Tu vois... Bien reposé. Ah. Bon, bah écoutez, je vais pouvoir... Oui, j'ai mes potes avec moi. Je sais pas. Bon bah écoutez, je peux sortir. Est-ce que je peux sortir tranquillement d'ici? Oui. Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode qui était du coup la fin, mais pas vraiment la fin, puisqu'il y aura le post-game, donc ça sera pas vraiment la fin, ça sera juste l'épisode où on aura battu le boss final, entre guillemets. Bref, on va cesser là, hein. Je suis à 2 heures d'enregistrement, vous aurez 2 vidéos. Donc voilà, donc on cesse là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis ben, nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, bye tout le monde.